Oui. Oui, une tarte aux pinces. Mademoiselle. Mademoiselle. La tarte aux pinces, pardon. Qu'est-ce que tu fous? T'es anesthésié du bulbe? Va te débarrasser à la vue. Excusez-moi, elle vient à peine d'arriver. Continue de se produit essentiel. Mais alors, nous sommes confrontés à cette crise immédiate. Il est crucial de reconnaître également les problèmes à long terme qui affectent nos océans. C'est pourquoi, tout de suite, dans cette émission, nous vous présenterons un reportage approfondi sur la surpêche et la pollution maritime. Des dizaines de milliers d'espèces sont en train de disparaître, et les conséquences sont dramatiques. Des records de température ont été enregistrés, et nous allons droit vers un effondrement massif. Alors une question reste à se poser, faut-il changer notre mode de consommation? Alors restez avec nous, c'est en fait exclusif. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est bien, c'est quelqu'un qui a fait ça, je suis sûre. Viens! Ouais, non, viens, viens, viens. Je suis chaud, là. Je suis chaud. Salut. Pardon. Mais nous regarde avec ses yeux clairs. Bouge surtout pas. C'est trop tard. On a mis le bras dans le tonneau, tabarnak. Chut. Je vais rien vous faire, tu sais. Eh, vous pouvez me parler. Je vais pas vous manger. Enfin, je suis pas méchante, quoi. Je veux pas. Je veux pas mourir. Ferme-la. Non, il a raison. On n'en peut plus. La semaine dernière, c'était Bernard. Hier soir, c'était Lolo. Ils détruisent nos maisons. Nous ensevelissent à coups de mayonnaise. Papa, est-ce que je vais mourir? Quel avenir pour elle? Quel avenir pour la nouvelle génération? C'est un génocide! C'est quoi un génocide? Même pas capable de tenir un verre. Un verre! Revais-moi un truc comme ça, je te jure que je te fous dehors! Papa, arrête, papa! C'est pas elle, c'est moi. C'est ma faute. Allez, reste pas dans mes pattes. Va préparer la salle. Ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, au courant. À bientôt, ciao. Alice, Carl, Jeanne, Omar. Je vais vous sortir de là. S'ils vous touchent, ne serait-ce qu'à une antenne, ils auront affaire à moi. Salut. Salut. Pardon. Tu fais quoi? Rien. Bah si, tu parles à l'aquarium, là. Me dis pas que tu... C'est pas tes oignons, puis tu vas dire que je suis idiote. Oui. Enfin, oui, oui, c'est pas mes oignons, t'as raison. Mais non, moi, au contraire, je te trouve plutôt très... très intelligente, ouais. C'est vrai? Ah ouais, promis. Il parle. Il parle. Il parle. Mais oui, il parle. Et tu les entends toi aussi? Ah, c'est fou. Ça va ou quoi les gars? Ouais. Oh ouais, moi aussi. Non, nickel. Non, ça non. Toujours célibataire. Ouais. Il est débile ou quoi? Chut. Toi aussi alors? Ah oui. Ah ouais. Rendez-vous ici après la fermeture. Ok. Mot de passe?
Début de la Omar Party, 19h, pétante. L'évasion débutera à 18h30, soit 30 minutes avant le début du carnage. Arrivée prévue dans l'océan à 19h12. Le ciel sera dégagé et la mer calme. Omar, tu fais le guet. Alice, en cas de danger, tu fais fuir les cuistons en faisant claquer tes pinces, ok? Carl, ne fais rien. Partiront en caddie à roulette de la porte de la cuisine jusqu'à l'océan Atlantique. Abel, toi, tu retardes la découverte de l'aquarium le plus longtemps possible. Retiens ton père au sous-sol. Invente un truc, montre-lui... Ouais, mais là, Edith, je suis... Quoi? Je suis pas sûr que... Tu te dégonfles? Ah non, non, non. Moi, je veux bien, au contraire, mais là, c'est un peu compliqué. Quoi, Abel, quoi? T'as peur de perdre tes petits privilèges, c'est ça? Si l'on ne fait rien, l'horrible machine de la destruction se mettra en route, ce sera de ta faute. Des homards meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction massive. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe de quelques-uns. La fin de eux, la fin de toi, la fin de moi. Tout ça parce que monsieur refuse de dire à son petit papa chéri de renoncer à son homard du dimanche. Il est temps de choisir son camp. Les yeux de toutes les générations futures sont sur toi. Et si tu décides de nous faire échouer, je te le dis. Nous ne te pardonnerons jamais. Choisis bien, Abel. Bienvenue à notre Omar Party annuel. Le gagnant qui aura l'honneur de choisir en premier son homard. Et le numéro... Le numéro 13! Oui! C'est moi! C'est moi! Jalouse! Jalouse! Le homard! Ma chambre la seule qu'en toi. Bah alors, Edith t'a oublié? Heureusement que je suis là. Hein. Gravement, tu sais. Il a parlé. On peut le dire aussi nettement. La pince connaît la panique. C'est une horreur. Les homards ont été volés. C'est à coup de la nouvelle. Ah non, pas du tout. J'ai des vues, ils sont partis là-bas.